Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez être contents, aujourd'hui il n'y a pas de tricot. Pour les amateurs de Diamond Painting, unboxing Diamond Painting. Avec la boutique New Craft Day, voilà. Ils m'ont proposé de m'envoyer quelques kits que j'ai choisis. J'ai froid. Je suis toujours dans ma glacière. Je n'arrive plus à travailler en ce moment dans mon atelier. Il fait trop froid. Pourtant, j'ai le radiateur. Mais j'ai la porte du grenier là. Mais il n'y a aucune isolation dans le grenier. Donc, c'est le toit, ben, les tuiles. Hop, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ils ont prévu des travaux, mais ils n'ont pas dit quelle année. Hein. Donc, je vais vous montrer ces petits kits que j'ai choisis. Donc, voilà. J'ai déjà ouvert, hein. J'ai tout ouvert, comme ça, ça va plus vite. Alors, le premier que voici. C'est un partiel. Alors, il fait 30-30. Voilà. Avec, j'ai bougé tout à l'heure et voilà. Ah, ça y est. Le petit kit qui va bien, comme d'habitude. Et ici, ce sera des strass, donc en sachet individuel, en sachet zippé. Donc ça, c'est bien les sachets zippés. Au moins, quand il en reste, ben, on les remet dedans. Oh, mais je vous jure, je suis frigorifiée. Alors, les petits strass, voilà les couleurs. Petit jaune, bon, enfin jaune orangé. Des rouges. Des bleus, encore des rouges, une autre sorte, voilà, des rouges un peu plus clairs, des verts, des couleurs bah, blanc, diamant. Là, les petites gouttes d'eau dorées. Des strass un peu plus gros, rouges. Des gouttes d'eau demi-perles comme ceci, rouges. Des gouttes d'eau holographique comme ça, violette, des holographiques turquoise et des holographiques comme ceci, couleur diamant. Donc voilà pour les strass. Voilà. Le kit maintenant. Donc il y avait 13 couleurs et voilà le kit. Donc tout simple hein, mais très joli par ses couleurs. Donc niveau il colle bien et la toile est pailletée. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Alors, elle est pailletée.
Voilà pour le premier kit. Le deuxième. Alors le deuxième, c'est comme je vous avais dit la dernière fois, c'est un que je me suis trompée. J'ai commandé un que j'avais déjà commandé dans une autre boutique. Donc le petit kit. Des perles rondes en chapelet. Donc c'est un 40-30. Bon, je vais quand même vous montrer les perles, malgré que celui-là, vous l'avez déjà vu. Pour celles qui n'auraient pas vu. Donc c'est les perles rondes. Et il y a combien? 23. Il y a 23 couleurs. Donc, n'achetez pas comme je l'ai en double. De toute façon, ça va dans, il va aller dans les concours. Hein. Voilà. Et les dernières couleurs. Voilà. Ben, j'ai attrapé le hockey maintenant. Voilà. Et donc, c'est celui-ci que vous aviez déjà vu avec les nounours. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vous ai pas montré. Voyez, l'impression est toujours aussi belle. Hein. Et ça colle bien. Et le dernier, puisque cette fois-ci j'ai trois kits. Le petit kit, hein, comme d'habitude. Alors celui-ci, c'est un 30-40 avec 25 couleurs, perles rondes, en chapelet. Allez. Donc, la première couleur. Voilà.
Et la suite. J'ai mon ventre qui gargouille en même temps. Je te jure. Hein. Pourtant, j'ai mangé. Enfin, j'ai mangé, j'ai grignoté. Beaucoup de bleu turquoise. Et voilà. Les perles. Alors, je sais pas si je sais pas si c'est pas une reproduction d'un tableau, ça, mais le dessin me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Bon, voilà, les enfants au bord de la plage avec le ballon rouge. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça en tableau. Mais je ne me rappelle plus. Voilà. C'est joli pour une chambre d'enfant. Donc voilà. Il n'y avait pas beaucoup de kits hein, cette fois-ci. Enfin, c'est déjà bien, hein. Donc il y avait ces trois kits. Hein? Voilà. Donc je vous rappelle le nom de la boutique, c'est New Craft Day. Comme d'habitude, je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens nécessaires et utiles. En barre d'infos, c'est ce que je viens de dire. Voilà, les liens des kits, les liens de la boutique. Comme ça, si ça vous intéresse d'aller faire un petit tour ou de retrouver les kits, ben, vous pourriez y aller directement. Et moi, maintenant, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces au passage. Ça fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne. Je vous fais maintenant plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.